Avant que Jiyan eût un âge utile, nous allons enlever un membre d'Ancien Star afin que les deux groupes comptent le même nombre. Je vois le main vocaliste se fendre d'un petit sourire, pas tout à fait similaire à celui qu'il arbore habituellement. Il hoche néanmoins la tête pour comme pour remercier le présentateur. L'électron libre! C'est quoi? Aniel, l'électron libre de la bande, pouvez-vous reculer? Que les fans de l'archange n'aient aucune crainte, il aura tout loisir de s'illustrer plus tard. Y compris au jeu du papier. J'ai peur. Taeyong s'écarte vers le bord de la piscine en faisant de grands signes de main à ses fans. Des hurlements se déchaînent dans mon dos et je souris. Quand les yeux de mon petit ami se posent sur moi, j'ai l'impression qu'il s'éclaire un peu différemment. Et savoir qu'il ne reconnaît pas mon visage dans la foule, mais qu'il me reconnaît quand même malgré tout, ça gonfle mon cœur d'une joie difficilement qualifiée. Son cœur, il va lâcher. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, quelque chose d'unique. Je me sens plus que privilégiée à ce moment précis. J'en peux plus. Je me dis que l'épisode va durer 5 heures là. J'ai complètement oublié le froid qu'il fait tandis que je ris toute seule et que la vapeur d'eau enveloppe mon menton. Qu'est-ce qui se passe? Je me tourne vers ma cousine à tout mon euphorie, j'ai envie de serrer dans mes bras. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être de retour. Je suis vraiment, vraiment heureuse que tu sois de retour aussi, imagine la chérie. Nous rendons notre attention à la piscine. Le monde de 21st Zone et les quatre membres de Surstar s'y sont alignés en deux files. Colin est suivi par In-chan et su qui est suivi par Dinsong, lequel est suivi par Arjuna. Chez 21st Zone, c'est Woojae qui va commencer, puis Ayane, puis Seokki et enfin Kim-won. Les fans dans les gradins applaudissent à tout rompre pour encourager les stars. Je sens mal. Claire et moi ne sommes pas en reste. Un peu de silence, mesdemoiselles, pour les laisser se concentrer. Aussitôt, tout le monde s'était. J'ai pas. J'en ai marre de dire son nom, il est chiant. Tant un petit papier, ouais. Et carré à mon cousin et à Woojae, un dans chaque main. Aussitôt, chacun d'entre eux le porte à sa bouche pour l'y attacher. Woojae attrape par les épaules. Attrape Eliane par les épaules et approche ses lèvres de celles de son meilleur ami. Mais ce mère brise aussitôt le silence à grand renfort de cris plus aigus les uns que les autres. Je me souviens que le Eli Jae est le ship le plus en vogue du fandom. Je me demande cependant vaguement ce que les fans penseraient si leurs deux chéris étaient vraiment gays et en couple. En tout cas, Woojae passe délicatement le papier à Eliane en bouche. En bouche à bouche et les deux sourient. C'est trop drôle. Me dis pas qu'il y a une illusion de ça. Oui. C'est drôle. Waouh. Ah, c'est cool. Retour. Heureusement que j'ai sauvegardé. Pendant ce temps, mon cousin fait de même avec In-chan. Là aussi, cela se déroule sans encombre et avec beaucoup de douceur. Ça va être sale, les illus. Là aussi, les cris des fans sont assourdissants. In-chan et Eliane se tournent au même moment vers le suivant. Seokki rit de toutes ses dents blanches en approchant de son visage de celui de l'américano-coréen. Jisung conserve plus de sérieux. Peut-être était-ce cela qu'il lui fallait pour rattraper de justesse le papier que In-chan manque de laisser tomber. Oh non, le main dancer de 21st June a quant à lui presque mis dans sa bouche la petite feuille. Quoi? Tout de guingois? Je sais pas. Il ne reste plus qu'une personne pour le relais dans les deux groupes, et l'égalité n'est pas est encore parfaite. Jin-seong avance vers Juna, dont les dents s'emparent fermement du papier. Avec un peu de retard, Seokki se lance avec vers Kyung-wang et où la bouche. Le feuillet blanc glisse vers le haut. Cela n'arrête pourtant pas le danseur qui noue les bras autour du cou de son meilleur ami et l'embrasse à pleine bouche.
Mais non. Un blanc dans les hurlements avant qu'il ne se déchaîne plus que jamais. Il n'a pas réalisé. Attendez, je sais pas si j'ai eu une deuxième. Non, il n'y en avait qu'une. Je m'en doutais, mais on sait jamais! Je regarde par-dessus mon épaule et repère un bon nombre de fans dont les mains sont plaquées sur les joues ou devant la bouche. Elles ont l'air de ne pas encore leurs yeux. Très vite, cependant, tandis que Juna lève les deux bras en l'air, en signe de victoire, son papier à la main, les Summers repèrent leur cri à l'égard de leur favori, et ce qui rit encore. Un bras autour de la nuque de Kimu, qui me demande qu'est-ce que t'as foutu. Ce qui montera le plus haut dans les décibels entre Comet et Summer. Mon Dieu! Ouais, les jalousies. Bravo à Sir Star. Il gagne une bataille, mais pas la guerre. J'en peux plus. Je m'attendais pas à ça. Vous allez voir ce qu'ils vont atteindre comme résultat dans la suite de nos petits jeux. Un petit sourire en coin indique qu'il a sans doute prévu des jeux où certains ne seraient pas à son avantage. Je me demande pourquoi il s'en prend ainsi à eux sans cesse. On pourrait presque croire qu'il favorise Sun Tufer's Dune. Pour l'air, juste pour la beauté de la scène, je propose un mélange de groupe. J'appelle Jia et Yan et Wu Jie dans cet ordre. Et oui, si je tiens à faire plaisir aux yeux de nos spectatrices avec les deux visuals. D'accord. Je m'en fous. Je n'allais pas passer à côté d'un presque baiser entre les deux grands rivaux. Frère, ils étaient en train de se faire un câlin à la limite tout à l'heure. Hein. Ma cousine suit bruyamment devant elle. Et voilà, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et après, on se demande pourquoi on en arrive à des comportements comme celui de Luna. Juna justement croisait les bras d'un air un peu enchanté. Il fait genre maintenant, ça y est. C'est une blague, hein? Les mèches sombres du mane vocalise sont retenues en arrière par des petites pinces argentées. Oui. Les caméras peuvent donc parfaitement capturer son déplaisir. Il prend le papier, le cale entre ses lèvres, puis croise à nouveau les bras. Hélène s'approche de lui avec un petit sourire attentionné et ironique. Alors, j'ai dû en louper une, non? Ah non, c'est bon. Et se penche et doit littéralement cueillir le post-it sur la bouche de Juna qui ne bouge pas une minute. S'il vous plaît, une illustration. Rien de neuf sous le soleil. Je ne réponds pas à ma cousine. Ah non. Je n'en suis pas si sûre, comment ça? Je ne peux pas croire que la scène de tout à l'heure n'ait porté aucun fruit. Juna avait l'air désolée et je ne le vois pas continuer exactement comme avant. Je réserve donc mon jugement de ce qui se réserve sous mes yeux. En attendant, Eyan a transmis le papier à Taewoong. Ce dernier, d'un geste presque nonchalant, passe le bras au trou des épaules de Wu Jae et se colle à son flanc. J'en ai marre de lui. Avec grâce, il bascule un peu la tête en arrière. Wu Jae, plein d'élégance, lui, récolte le papier aux lèvres de l'autre visuel. Avec lenteur calculée. C'est une performance de sensualité. Super! Wow! Mais Aniel, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette... Je reconnais pas. Genre, j'ai la pression de voir quelqu'un d'autre. Genre, vous voyez là, je peux pas voir la même tête là qu'il y a dans le coin que celle de l'illustration. Les deux fantômes sont nés moi. Tu m'étonnes. L'hurlement plus fort que jamais vrille ma tête au point que je plaque mes mains sur mes oreilles. Heureusement, le léopard des ondes les fait taire prestement en annonçant la suite des événements. Avant de passer au jeu suivant, une petite séance de questions-réponses.
Nous aimons toujours en apprendre plus sur nos vedettes de prédilection. Yeah. Je suis là pour emporter ces précieuses informations jusqu'à vous en les leur soutirant. Les applaudissements nourris du public semblent combler. J'ai pas de surnom. Davy. Ils se regorgent encore davantage et si cela est physiquement possible. Plein d'assurance, il se tourne ensuite vers Juna. Il étend son micro. Une question que la plupart des gens se posent, dont moi, je ne vous le cache pas. Vous êtes vegan, c'est de notoriété publique? C'est bien ça. Vous n'avez jamais l'impression que ça vous cause préjudice en tant qu'homme? Juna arque un sourcil. Comment ça? Eh bien, cela n'écantine jamais avec votre image d'homme viril. What? Vous savez, l'image qui veut que les vrais mâles musclés mangent beaucoup de viande. Mon dieu. Non? Ou du moins pas aux yeux des gens qui ont de l'importance pour moi. Les hommes sont aussi concernés par le bien-être des animaux et le bien-être du monde. Le cœur est un muscle, je crois. Et je préfère qu'il soit tendre chez moi. Oh. Un jour, j'espère avoir un enfant. Aux quatre des coins. Aux quatre coins des. Aux quatre coins gradins. Cette confession est recommencée par une clameur énamourée. Je veux pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire que j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour lui laisser un monde sain. Ah, c'est mignon, Gia. C'est son regard qui m'importe et la sincérité des mots que je lui dirai à ce moment-là. Je ne me vois pas contribuer à la ruine de la Terre et puis lui dire désolé. Les autres avis, à vrai dire, je m'en fous. Dungeon le sautant. La réponse ne lui plaît sans doute pas. Ben, c'est pas de son problème. Mais elle semble plaire aux comètes qui scandent le nom de scène de Juna. Voilà qui est bien répondu. Tu parles, vilain fauve, ça ne t'a pas du tout plu. Ma cousine Risoukap. Passons à une autre innovation de cette émission inédite. Je le sens mal. Quelle mauvaise idée. Qui dans le public n'a jamais rêvé de voir ses idoles préférées chanter dans l'eau? De les voir arracher leur cœur dans leurs paroles tout en ruisselant de gouttes qui suivent leurs pectoraux. Alors que les garçons échangent des regards un peu étonnés, les fans tapent dans les mains. Il n'y a pas à dire, il sait s'y prendre pour ameuter la foule. C'est pour cela qu'il occupe la place qu'il a dans l'industrie d'aujourd'hui. Vous le savez, j'aime saupoudrer de piment tout ce que je concocte. Je vais donc mettre une condition. Ma cousine arrête presque de respirer. Moi aussi, j'attends anxieusement la suite. Les idoles désignées pour chanter devront chanter la chanson de quelqu'un d'autre. Hors des questions pour Tony Ferzun d'entamer une chanson de James Ferzun et pour Sir Star de Sir Star. Hors de question également de se faire accompagner par un autre membre du groupe. Bon, ça devrait aller. Manager Urban hoche la tête. Je me sens un peu moins nerveuse aussi. Seule comme d'habitude, Manager Kim ne se déguide pas dans son coin des coulisses. Et enfin, dernière condition. C'est quelqu'un du public qui va choisir les idoles qui pousseront cette chansonnette non préparée. Yes. Un membre de Sir Star et un membre de Toon First June. Dans l'eau turquoise, le léopard des ondes fait un tour sur lui-même. Oh non! Je sais que c'est la sœur pour ma pomme avant même qu'il ne tende son index vers moi. Oh non! Il a osé. Moi, c'est une figure connue, et si vous suivez toutes mes émissions, j'en suis sûre que c'est le cas. Ah 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 ah, la fameuse cousine qui suit sur terre à la trace. Je lui fais ravaler ses guillemets. Je serre les poings. On reste calme. Gina, pas de remous, s'il te plaît. Pardon. Tu ne gagneras pas, tu ne gagneras rien. Manager Ban a chuté. Pierre lui jette un regard furibond. Au moins la satisfaction d'avoir rabattu le climax.
Le caquet à cette odieux personnage. C'est pour ça qu'elle a serré les poings, je reste calme. Manjurban de sorcière secoue la tête sans me quitter des yeux. La mort dans l'âme et une pointe de stress au creux du cœur, je me force à sourire à Dengenyo. Qui choisissez-vous pour Sir Star? Ah non, on va avoir le choix. Parce que la lumière de mon petit ami m'attire comme un aimant, je n'hésite pas. Aniel! Toute façon, je pense que j'aurais vraiment choisi Aniel. Par contre, si on a le choix pour Tune sur Zune, tout le monde sait qui je veux prendre. Aniel, parfait. Et pour Tune sur Zune? Ah non, j'avais pas le choix. Mes deux préférés, comme par hasard, bah de toute façon, ce qui, hein. C'est qui? J'ai opté pour ceux qui, du moins je le crois, seront les moins mal de devoir performer. Effectivement. Le léopard sourit largement. Ujjayi, parfait aussi. Je vais le frapper. Je vais le frapper. Tout le monde a entendu que j'ai pas dit Ujjayi. J'ouvre de grands yeux. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Il n'a pas entendu. Je pense qu'il avait déjà choisi à l'avance. Furieuse en plus du reste d'avoir été un pantin du présentateur, je sens ma nuque se raidir. Mais déjà, un assistant de production se penche par-dessus l'eau pour redemander à Tai Wong ce qu'il va chanter. J'imagine qu'ils pourront ainsi lancer la bande musicale appropriée. Une femme lui tend aussi un micro que Tai Wong attrape de sa main gauche. Il est tout sourire comme d'habitude et au moins je ne me sens pas coupable de lui avoir infligé ça. Mes yeux bifurquent vers Ujjayi qui attend avec ses amis dans le coin de la piscine où ils se sont retirés. Son beau visage lisse n'exprime pas non plus de frustration, mais comment savoir ce qu'il en est réellement? J'espère ne pas lui avoir rajouté une pression supplémentaire, même si techniquement ce n'est pas mon fait. De mon fait. Tous les membres de Zen Sur Zune ont l'air aussi radieux que les membres de Sir Star, le visuel y compris. Il sourit, rit, fait des signes de cœur, multiplie également les mouvements. Sexy. Yes. Mal à l'aise, je détourne le regard autant qu'une note de musique tombe sur la piscine. Je rends mon attention indivisée à Tai Wong qui irradie en plein centre de l'eau. Il est d'une beauté à couper le souffle. Quand sa voix légère se joint à la douceur de son visage, plus rien d'autre n'existe. Je ne connais pas la chanson en coréen qu'il interprète, mais il s'agit d'une ballade enjouée. Je me laisse porter par les phrases, par la mélodie, par la voix de Tai Wong surtout. La chanson parle du paradis qui se trouve ici, des anges qui peuplent nos pays. C'est une chanson d'amour. Elle se focalise sur l'ange sœur, car chacun en ce monde, y compris le chanteur. Mélange d'âme sœur et d'ange gardien. L'interprète a de la trouver après l'avoir longtemps cherchée. Pas une fois, mon petit ami ne glisse les yeux vers moi. Pourtant, j'ai l'impression que chacun de ces mots s'adresse uniquement à moi. J'ai l'impression de flotter, porté par une sorte de béatitude cotonneuse. Je voudrais que ces quelques minutes ne s'arrêtent jamais. Ou plutôt qu'elles ne s'arrêtent que pour que je puisse retrouver dans la foulée les bras de Taïwan. Lorsque la chanson se termine, mon cœur est parcouru par le même frisson que mon esprit. On dirait que j'ai dit mon cœur. C'est comme d'être tiré brutalement d'un merveilleux songe par la sonnerie du réveil. Je joins les miens aux applaudissements à tout rompre qui secouent la piscine. Je n'ai toutefois pas le temps de me remettre de cet état second que Woody porte à son micro à ses lèvres. La chose pour laquelle il a opté, je la connais. Il s'agit d'All of My Life de Won Park. Attendez, comment on dit déjà pas? Park. Park. Won Park. Ça, je sais le dire. Un des seuls trucs que je sais dire, c'est les noms de famille. Voilà. Mais je connais pas la chanson. Le changement d'ambiance radical me fait l'effet d'une douche froide. Je reste pétrifiée alors que le violon et le piano portent partout autour de nous le timbre extrêmement aérien du visual. Quand les choses étaient tellement difficiles que j'étais fatiguée à de vivre. C'est les paroles ou? Quand rien n'allait comme je le voulais.
quand je ne pouvais même pas voir ma famille et que je n'avais pas d'importance pour moi-même. Oui, c'est les paroles. Mais je vais pas chanter, je connais même pas la musique et en plus, j'ai pas envie de chanter. Je sais pas chanter, surtout. Woody chante en fermant les yeux dans le silence total du public, mais il les ouvre un peu sur plus loin dans la chanson. C'est Eliane qu'il regarde, à 2 mètres de lui. Quand je me regarde, j'ai tellement changé après t'avoir rencontré. Non. Désolée, j'étais en train de repenser aux Ulysses, du coup ça me perturbait. J'ai commencé à avoir des rêves et j'ai voulu réaliser les tiens aussi. Le main vocaliste ne bouge pas d'un pouce et ne quitte pas son meilleur ami des yeux. All of my life, alors que je me battais. Tu es toute ma vie, tu m'as rempli. Mais... J'ai un frisson d'une autre nature que lorsque Taewoong chantait. On a le cœur qui fond. Mes cœurs se remplissent de larmes, mes yeux se remplissent de larmes malgré moi. Woody a à nouveau fermé les siens. Ce n'est plus avec sa gorge qu'il chante, mais avec les cordes de son cœur. Oh, c'est beau. Elle tremble une phrase sur deux. Oh. Je passe une main sur mes paupières et me retourne pour voir des semeurs sangloter dans les bras l'une de l'autre. La vache! Ma cousine ne finit pas sa phrase à la place, elle répète les mêmes mots dotés d'un point final. La vache! D'accord. Ah, parce qu'elle pleure aussi. Lorsque la dernière note de la chanson résonne dans l'air, personne ne parle. Babsine Woodyae a les paupières baissées et les lèvres entrouvertes. C'est Seki le premier à réduire la distance entre eux. De mouvements de bras rapides, il arrive au visual, dont il prend la main pour le tirer vers le reste de Tunisia's Doom. Quelques secondes plus tard, alors que les silences sont toujours total, les quatre hommes s'empilent pour un câlin. Oh! C'est seulement à ce moment-là que les applaudissements et les cris fusent jusqu'au ciel. Eh bien, les surprises ne de rien avoir prémédité. Oui, t'inquiète. Un beau morceau d'émotion que je vous ai apporté là, dans cette émission qui, décidément, fait ses preuves. Oh! J'ai envie de le frapper. Pour le prochain jeu, qui oppose entre Sur June et Sur Star, j'ai prévu un concours de nage. Un idol, un style de nage entre brasse, crawl, papillon et dos crawlé. Encore une fois, un membre de Sur Star sera mis de côté pour garantir l'égalité la plus stricte. Mais avant, pendant que les idoles font quelques mouvements pour s'échauffer, une nouvelle question. C'est vers Eliane cette fois que le présentateur se tourne. On murmure dans les coulisses de l'industrie que vous supportez de moins en moins bien la pression. On sous-entend même que vous regrettez de vous être lancé dans cette carrière et que vous n'aimez plus chanter. Je saute quand, au plus loin, le smartphone de manager Kim vole en éclats dans sa main. J'imagine trop le truc. Eliane cependant sourit à Don Gonyeom. Je suis désolée pour mes fans que ce genre de rumeurs court. Mais je tiens à les rassurer que je suis très contente d'être ici avec mes amis et de chanter pour elles. Les mots du main vocaliste changent les chuchotements aux allures de grondements dans les gradins en écho plus positif. Pourtant, votre corps n'a pas menti. Un malaise cardiaque si jeune? Alors, n'importe quelle pression, je pense, ça peut arriver à ça, hein. N'est-ce pas votre organisme qui a expérimenté son envie de tout arrêter? Eliane sourit toujours, mais je vois bien que ses lèvres commencent à se raidir. Je ne pense pas que médicalement un arrêt cardiaque s'explique de cette façon. Bien sûr, je ne suis pas médecin, mais dans mon cas, un soupçon de malaise est imprévisible. L'inquiétude est de retour, comment va-t-il s'en ressortir? Il ment sans mentir, mais la réalité est pire. Dans votre cas, ce n'était pas ça. Qu'était-ce donc? Comment les médecins ont-ils expliqué ça? Vos fans ont le droit de savoir la vérité? Ils ont surtout le droit d'arrêter de se dissimuler dans une vie privée. Elles sont sous tourmentées et vous leur devez des explications, ainsi que sur ces rumeurs persistantes. Oh là là. Sur mes plateaux, je ne veux que la vérité. Les yeux bleus d'Eliane paraissent chercher quelqu'un dans la foule. Sa mère, peut-être? Vos hésitations disent que vous n'avouez pas. Vous n'êtes pas content d'être là. Vous pouvez toujours vous faire remplacer. Tunfurzun et toutes les summers ont un droit à mieux que quelqu'un qui rechigne. Mais quand tu l'as vu se plaindre?
Venez, on cherche. Bah normal, on peut pas trouver. C'est le pire présent d'avenir de Corée du Sud, et même du monde entier. Retenez-moi avant que je descende le noyer. Claire! Ma cousine n'a toutefois pas besoin de se mouiller dans l'eau transparente. C'est Juna qui tout à coup explose! Non! Et sans doute est-ce bien pire. Oh non. C'est vrai que j'aurais dû m'arrêter avant. Vous n'avez pas envie de le laisser tranquille et de lui laisser le droit au secret médical? Trop loin. Ma nature man, il doit être en train de s'arracher les cheveux. Ok. C'est à cause d'enfoirés comme vous que les artistes n'en peuvent plus de faire leur job. Vous prenez votre pied à nous harceler sans cesse en vous... en vous entamponnant des conséquences. Il a tellement raison, mais... C'est ici que s'achève l'émission. Vous êtes tous morts. En plus, c'est en direct ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Je préfère pas savoir. Mon Dieu. Vous êtes une ordure des ondes. Comme lors de la chanson de Woojae, les silences complets s'abattent sur les lieux. Tous les idoles écarquillent les yeux dans la piscine. Même Aniel? Non, c'est vraiment une question. Hein, parce que ce mec, il est jamais choqué. Don Gunnium paraît estomaqué. Major Ban passe une main sur son front avant de dévorer son portable. Mon dieu. La colère de la rouge. Le rouge de la colère monte tout à coup aux joues de Don Gunnium. Son ton n'exprime que la rage outrée. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire et vous excuser, sans quoi vous le regretterez. Juna lève le menton. Non! Non! Non. Oh le con! J'ai pas envie de dire qu'il est con parce qu'il a raison, mais il aurait quand même dû fermer sa gueule. Ouch! Claire fait entendre avec une main étranglée alors que Manager Ban porte son téléphone à son oreille. Un peu plus tard, ma cousine et moi sommes enfin admises dans la pièce où Star a été réunie après l'interruption d'enregistrement. S'il te plaît, Colin, si tu es en train d'engueuler Jia ou quoi que ce soit, je vais inventer la tapette à Colin. C'est sur Colin que nous tombons au premier de l'autre côté de la porte. Claire tombe presque littéralement dans ses bras. Une barre soucieuse rise le front du... Ben oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, mais... Ah, j'en peux plus, je vais calmer. Une barre soucieuse rise le front du leader de Serstar. Il va devoir faire des excuses publiques et tout. Yuyu, est-ce que ça va? Claire, non. Elle est encore plus bête, elle. Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça va causer préjudice à votre carrière? L'angoisse m'étreint également tellement que j'ai presque peur qu'il m'étouffe. Claire lit dans mes pensées. Juna va présenter des excuses publiques, je suppose. S'ils entendent, il va dire non. Ça n'en a pas l'air pour l'instant. Mon cousin soupire. Le pire, c'est que si on est honnête, on ne peut pas dire qu'il avait tort dans le contenu de ses mots. J'étais d'accord et je me demandais comment Eliane Ace allait s'en sortir. Mais je ne l'aurais jamais dit. J'aurais sagement entendu la mise à mort comme dans une corrida, en me réjouissant que ce soit pas moi. Le visage de Claire exprime son étonnement. C'est vrai, mais tu n'es pas fâchée contre lui? Parce que ce qui s'est passé, ça va poser souci au groupe, non? Parfois, on fait face à des difficultés, non parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais parce qu'on a fait quelque chose de juste. Dis-toi, Claire, qu'il y a des idoles qui ont fait pire que ça. Et encore, ça c'est rien, je trouve. Je vise aucune idole.
Dans ce cas précis, la véracité des propos de Luna n'a pas d'importance. Bah ça va. Son téléphone tendu devant lui, Madame Urban pivote pour faire face aux autres membres de Sir Star. À l'exception de Colin debout, ils sont tous assis sur une chaise contre le mur sans parler. Tita et Wong a l'air perdu dans les nuages, le reste gros du groupe parc sur le manager. Je suis moi aussi suspendu à ces mots. Je viens de raccrocher avec Patrick Ho. Dans l'attente de la suite, la participation de Luna à toute activité du groupe est suspendue. Non, c'est fini? C'est fini là? Un grand merci à nos super tipeuseurs. Sans qui ce chapitre n'aurait pas pu voir le jour? Oh, merci aux tipeuseurs. Alors, je vais pas lire tous les pseudos, mais je les laisse un moment parce que. Bah, merci à eux, du coup. Je regarde tous les pseudos. Ça fait beaucoup! Waouh, tous les gens qui supportent le jeu, c'est trop cool! Oh! Je me sens je suis contente de voir ce message! Merci également aux streameuses qui ont relayé notre jeu sur leur chaîne, contribuant à sa diffusion au plus grand nombre! Et moi, je vous dis merci à vous! Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on est bientôt 2400! C'est énorme! Et parfois, Choukimo. Ils me repartagent leur story, c'est trop gentil. Et je suis hyper contente d'avoir découvert ce jeu. C'est un des meilleurs jeux que je connaisse. Du coup, merci à vous aussi. Voilà, on peut être tous fiers de nous. Là là. Ah oui, pour nous suivre sur Instagram où nous publions toutes les infos sur nos jeux, s'il vous plaît, suivez-les sur les réseaux sociaux si vous avez Instagram parce que. En fait, on me demande souvent si je sais les sorties, mais sachez que je fais ce jeu de manière bah, parce que j'ai envie de faire le jeu sur ma chaîne. Je n'ai aucun contact avec les créateurs du jeu, alors je serai en même temps que vous les annonces par rapport au jeu. On suppose que les gens qui soutiennent avec de l'argent, ils ont des choses en plus, par exemple, mais je sais pas du tout. Mais moi, sachez que je ne sais pas beaucoup plus que vous. Donc quand vous me demanderez, c'est mignon, hein, mais quand vous me demandez, oui, tu sais, quand ça sort, je ne peux pas savoir. Pareil pour Fly, je ne peux pas savoir à l'avance. Je suis juste, bah, je suis juste, juste Chassa qui veut faire, qui veut partager ce qu'elle aime. Voilà, c'est tout. Nous avons changé de nom. Oui, ils sont groupés Shukimo parce qu'ils vont faire un deuxième jeu. Et peut-être que je le ferai aussi. D'ailleurs, j'ai 4 crushs, du coup, ça risque de bah, d'être cool. Si tu veux nous soutenir sur Tipeee, vous savez les liens. Voilà. Nous avons modifié toutes les contreparties pour te proposer plus de contenu exclusif et des news et davantage. Vous voyez ce que je disais? Pour nous rejoindre sur Discord, uniquement si tu comptes être active, jette aussi un coup d'œil au trailer de notre prochain jeu, Aquarial Edition L. Alors, le jeu. Le chapitre était sorti il y a longtemps, je vous ai dit, on est en août. Du coup, c'est normal qu'ils font la promo du trailer, mais allez voir, ça a l'air bien. Tu trouveras sur notre chaîne YouTube Choukimo. Je sais même pas si ça se prononce Shukimo, désolé. En tapant Aquarial ou en tapant Aquarial dans la barre de recherche. Quant à nous, on te retrouve très vite pour le chapitre 24 de Colin, qui est déjà sorti. Voilà. Donc, mon Dieu, 3h18 que je filme, plus les je ne sais pas combien de minutes que j'ai passé à filmer le fin de chapitre 23. Bon, pour vous, ça doit faire des semaines que c'est sorti parce que du coup. Moi, là, à l'heure où je vous parle, on est le 21 août. Mais du coup, j'ai pas voulu m'arrêter. Du coup, ça se peut que on est en octobre pour vous. C'est un truc de malade. Mais bon, au moins, j'ai le temps de m'habituer au rythme de l'école et de voir si j'ai le temps de filmer. J'espère. Moi, j'ai hâte de commencer Idol's Pride. Parce que du coup, c'est ça qui nous attend maintenant. Et après, je sais pas si d'ici là. Bon, d'ici là, en même temps, je pense qu'il y aura des épisodes de Fly, et tout ça. Il y aura aussi peut-être la suite. Non, c'est vrai que Ginny
C'est la dernière route qui sort, donc ça risque d'être dans un moment. Mais Imcha, la route de Imchan devrait bien sortir, du coup après c'est Jia et après c'est Ginny. Mais bon, voilà. Du coup, on se retrouve. Bah, je sais pas, j'ai envie de vous dire. Parce que je sais même pas quand on est pour vous, parce que je sais pas en combien de temps je vais les séparer à chaque fois, peut-être trois parties, peut-être quatre, je ne sais pas. Du coup, on se retrouve. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est bye bye.